Tanor Diame, je suis greffier au tribunal de grande instance de Saint-Louis, mais également je suis le secrétaire général chargé des relations extérieures de l'Union nationale des travailleurs de la justice, un syndicat qui vient d'être créé en 2020 dans le secteur de la justice. Donc aujourd'hui, dans le cadre de notre représentation locale au niveau du TGI de Saint-Louis, nous tenons à communiquer par rapport à un préavis de grève qui avait été déposé le 7 février et dont l'expiration arrivera au 7 mars, Inch'Allah. Donc dans ce préavis, il est plutôt question d'appeler l'État face à ses responsabilités. Parce que comme vous le savez, depuis 2018, il y a eu un mouvement de grève. Des actes syndicaux ont été posés par les travailleurs de la justice. Donc l'État s'était engagé par rapport à un nombre de points. Des décrets ont été signés, mais jusqu'au moment où on parle, ces décrets-là ne sont pas matérialisés. D'emblée, il faut rappeler que le préavis que nous avons déposé en février 2023 est le deuxième préavis que l'UNTJU a déposé. Donc en 2022, autant pour moi, nous avions déposé un préavis. Et là, le ministère, en la personne de Maître Malick Sall, nous avait opposé la non-obtention du récépissé. Et après obtention du récépissé, en date du 1er septembre 2022, nous avons plus tard adressé une correspondance au garde des Sceaux, au nouveau garde des Sceaux, le professeur Ismaël Amadior. Donc, nous l'avons félicité en tant que nouveau garde des Sceaux et avons demandé à être reçu par ses services. Mais jusque-là, la lettre qui avait été imputée au directeur des services judiciaires, le directeur Abdoulaye Ndiaye, est resté sans réponse. Ce qui est, à notre égard, un manque de respect notoire. Parce que comme vous le savez, si la situation de 2018 perdure encore, c'est parce que les efforts de l'État n'ont pas été matérialisés par le ministère. Le préavis prend fin ce 7 mars 2023. Et qu'à la fin de ce préavis, il n'est pas exclu que l'UNTJ engage un combat syndical allant jusqu'à la grève. Parce qu'aujourd'hui, la situation est grave. Les travailleurs de la justice sont frustrés. Ils sont très remontés. Et jusque-là, l'État ne montre aucun respect à ces travailleurs de la justice. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel solennel au ministre de la Justice, mais aussi au président de la République et à toutes les autorités concernées pour que nos préoccupations soient prises en charge, pour que le ministère de la Justice tende l'oreille à ses travailleurs, parce que nous jugeons que c'est un manque de respect d'ignorer les correspondances qui lui sont adressées. Tay nak dañu amalon jotay bi pour waxtan si préavis de grève bi nga xamné dañ ko déposé le 7 février passé. Donc préavis de grève bobu nonou wara jeex le 7 mars inshallah. Mu donne préavis bo xamné moy biñi déposé si ñaarel yoon ndax ñakoon nañu déposé ben préavis de grève si 2022. Waye kalifa yi nek ci ministère de la justice dañu xamalon ne ci jamono yoyu comme amuñu récépissé dañuy baye bañu am récépissé ñu soga togg ak ñun waxtaan ak ñun lolu motax biñu amé récépissé le 1er septembre 2022 ñu bindat lettre le garde des Sceaux le ministre Ismaël Amadior bindu ko lettre pour féliciter ko waye tamit pour xamal ko ne ko ñun de nga xamne ci njabotam lañ bok bëggoon nañu togg ak mom waxtaan ak mom ci li nga xamne moñu concerné waye depuis bobu ba légui lettre bobu amul ben tontu bu ñew ci ñun fulaluñ ñu faalé wuñu ñu té ci jamono bobu ñun ñu ngi dundu ay métit yo xamne ci suñu biir liggéey
ci yo xamné dañ ko xatimone ak nguur gi depuis 2018 japp 2019 depuis bobu légui amul lenn luñ ci réaliser bokku na ci ñune greffier dañ ko wara recruter à partir de la licence bu génné école manam CFJ dafa wara am hiérarchie A2 amna ay greffier ñu jotone recruter ak licence formé len 2 ans ñu génn té ba légui B2 lañu nek lolu dañu japp né bokul ci respect benen bi moy agent yi nga xamné dañu nek ci juridiction yi dañ leen warona jël formé len reverser len ñu nek ay agent des greffes et parquets lolu tamit ba légui antoul amul ben yon té amuñu ci ben explication benen bi moy bo xolé retard yi nga xamné day am ci prime bi ak tamit ci fonds commun bi dafa don retard yo xamné day sonnal travailleur de la justice ndax xam nga né liguey kat bi limi gagner ci lool rek le meuna jëfëndiku pour yor njabotam pour régler ay problème so soko waré jox loolu denc ko ba heure bu la neex ci banque yi nga xamné dañ fa jël ay prêt lool day sonnal travailleur de la justice donc tay situation bi mel na no xamné bañu ñu ci dara parce que dafa metti travailleur de la justice mer nañu frustré nañu parce que nak dañuy liggéey di dan sen doole fuñu tollu waye li nga xamné mom la état yello ak ñom ba légui état defu ci dara lool nak mënuñu ko accepter le 7 bi insha Allah le 7 mars le préavis bi di expirer té bu expirer nak bañu ñu ci dara lepp lu mu laaj dinañ ko def bép acte syndical bi nga xamné war nañ ko mënu def pour préserver suñu dignité dinañ ko def inshallah.